Bonjour, nous allons réaliser un dessert bavarois au cacao pour 4 personnes. Voici les ingrédients. 50 g de cacao non sucré, 4 décilitres de lait, 2 jaunes d'œufs, 4 feuilles de gélatine, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre blanc. Préparation 15 minutes, cuisson 10 minutes, repos 2 heures. Pour commencer, faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour les ramollir. On va mettre dans un saladier avec un petit peu d'eau et les feuilles de gélatine. Et on va les laisser se ramollir un petit peu. Voici les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Laissez-les de côté maintenant. Maintenant, chauffez le lait. On va prendre une casserole et le chauffer. Chauffez le lait dans une casserole sans le laisser bouillir. On le fait chauffer et on regarde et on ne le fait pas bouillir. Allez, on va mettre dans une casserole à feu vif et on regarde et quand il fait des petites bulles, des petites bulles, on arrête. Voici le lait dans la casserole et sur le feu à feu vif. Je le laisse chauffer à petites bulles. Quand ça fait des petites bulles, on arrête. Pendant que le lait chauffe, on va prendre un saladier et mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre, avec les deux, trois cuillères à soupe de sucre et le cacao. On va séparer le blanc des jaunes. Voici dans le saladier les trois cuillères à soupe de sucre, les 50 g de cacao en poudre et les deux jaunes. Le blanc et de côté. On va mélanger tout ça. Oh, voici le mélange fini. Maintenant, j'ai arrêté le feu où le lait a chauffé. On ajoute 2 cuillères à soupe de lait chaud et remue jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Voici les 2 cuillères à soupe de lait chaud. Maintenant, je vais remuer jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Voici le mélange fini. Il est bien homogène, brillant. Il est beau, regardez, il est beau. Maintenant, on va rajouter le reste du lait chaud sur la préparation et battre à l'aide d'une fourchette ou d'un fouet. Voici le reste du lait chaud dans la préparation. Maintenant, je vais remuer avec le fouet. Voici le mélange fini, il est bien mélangé. Maintenant, on va rajouter, enfin introduire les 4 feuilles de gélatine dans la préparation chaude. Mélanger jusqu'à ce qu'elles soient fondues. Allez, on va rajouter les feuilles de gélatine là-dedans. Voici les feuilles de gélatine dans la préparation. Maintenant, on va mélanger, on va bien mélanger pour que les feuilles de gélatine fondent et sont bien mélangés à la préparation au chocolat, au cacao. Voici le mélange bien mélangé. Maintenant, on va répartir ce mélange dans quatre petits ramequins individuels et laisser-les refroidir, puis mettre-les au réfrigérateur pendant 2 heures. Allez, on va prendre 4 ramequins et on va mettre la préparation dedans. Voici la préparation dans les 4 ramequins. Maintenant, laissez refroidir et mettre 2 heures au réfrigérateur après. On va mettre 2 heures au réfrigérateur et je vous montrerai comment c'est. Le bavarois au cacao est fini. Maintenant, 2 heures au réfrigérateur. Voici le dessert sorti après 2 heures au réfrigérateur. Bon, bon appétit à tous.